domaine de Chevalier est une propriété très ancienne dans cette région des Graves. Et peut-être savez-vous que depuis 1987, nous avons une appellation communale dans cette appellation grave qui s'appelle Pessac-Léognan. Pessac, c'est le village qui est devenu une ville où est situé Aubrion, et Léognan, c'est notre village qui est en train de devenir une ville où se situent Aubailly, Chevalier et d'autres crus classés de cette région des Graves. Donc nous sommes à la fois Graves et Pessac-Léognan. Donc Pessac-Léognan, c'est une appellation communale dans les Graves, comme Margaux, Saint-Julien, Saint-Estèphe ou Pauillac sont des appellations communales dans le Médoc. Donc le château Latour est Pauillac, mais il est Médoc. Nous, nous sommes Pessac-Léognan, mais nous sommes Graves, parce que c'est une appellation dans les Graves. Voilà, donc c'est une région très ancienne, parce que Bordeaux était dans la région des Graves. Hein, la région des Graves est née presque dans la ville. Au XIIe siècle ou XIIIe siècle, il y a encore quelques propriétés en bordure de la ville de Bordeaux qui portent encore le nom de Graves, parce que c'est une région très très ancienne. La vigne est née dans la ville. Et puis avec l'urbanisation, la ville a repoussé les vignobles avec le temps, et donc les vignobles sont dans la ceinture de Bordeaux. Ici nous sommes à 18 km de Bordeaux, et cette région est très ancienne, et c'est ce paradoxe qu'il y a entre cette région très ancienne avec des crus qui portent le même nom, comme Carbonieux, comme Pape Clément, qui portent le même nom depuis 600, 700, 800 ans, et ce qui est unique à Bordeaux, donc très extraordinaire. Et en même temps, ce paradoxe, parce que le classement des Graves date seulement de 1953 et l'appellation Pessac-Léognan date seulement de 1987. Donc une région, c'est souvent des régions un peu oubliées. Hein, peut-être nous avons été un peu oubliés pendant un moment, et puis c'est une région qui se réveille aujourd'hui grâce au dynamisme de beaucoup de crus de cette région. Et c'est une région qui fait du vin rouge, du vin blanc, qui a beaucoup de chance, et très proche de Bordeaux. Et souvent les propriétaires vivent dans les châteaux. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que dans un millésime comme 2012, où on a dit qu'il fallait des choix de l'homme, si vous avez des propriétés familiales et des gens qui habitent sur place, et je peux vous dire que les choix sont plus vrais, voilà. Et il faut des vrais grands choix dans des millésimes un peu compliqués. Et l'homme doit s'investir personnellement dans des choix comme ça. Voilà, donc Domaine de Chevalier est une propriété familiale que ma famille a achetée en 1983. Nous allons fêter cette année les 30 ans de notre acquisition. Nous fêterons ça de façon magnifique, avec un magnifique banc des vendanges qui aura lieu le 14 septembre, qui va réunir 1200 personnes ici, donc une grande fête. Et une grande fête avec beaucoup de... J'aime le vin pour le sourire, j'aime le vin pour le partage. Je n'aime pas investir dans le vin. Les gens qui investissent dans le vin me fatiguent. Moi, j'aime les vins qui boivent, les gens qui boivent. J'aime les gens qui offrent, j'aime les gens qui parlent. Voilà, j'aime pas avoir du vin dans un coin. Non, le vin, c'est quelque chose qu'on doit... qui doit aider la communication entre les hommes, qui doit partager les choses, qui doit réunir les hommes, qui doit... Le vin est une culture. En France, la culture française est très proche du vin, de la gastronomie, et pour moi, ce sont des choses très importantes. Voilà, donc Chevalier fait des vins très naturels, parce que j'aime la nature. Je crois réellement que les grands vins ne viennent que des grands fruits. C'est assez stupide de dire ça, mais j'aime bien quelquefois revenir sur les fondamentaux et de dire que pour faire un grand vin, il faut des grands fruits, ça paraît évident, mais en même temps, c'est très très important pour moi. Donc des grands fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter sa vigne très naturellement, d'avoir un grand terroir et beaucoup d'observation, parce que peut-être avec de l'observation, on peut éviter de faire un traitement. Peut-être avec un peu d'observation, on va faire des choix là et là qui vont encore mieux permettre à la plante de s'exprimer. Et j'aime bien penser que cette plante s'exprime, qu'elle vit, qu'elle respire, qu'elle est dans un sol et qu'elle va transmettre aux fruits toute cette complexité. Hein, une vigne descend sur plusieurs mètres en profondeur, 10 mètres, 15 mètres, avec une diversité incroyable dans le sol. Et je pense que le raisin exprime cette diversité. Si on respecte le raisin, et si on respecte le raisin, si on respecte la vinification aussi, pour pas
La main de l'homme ne doit pas être trop lourde, elle doit être légère, elle doit être gracieuse, elle doit être élégante pour respecter ce fruit, pour donner, j'aime les grands vins qui ont, j'aime le nez du vin. Et quand le nez est floral, quand il est complexe, quand il est aérien, quand il me fait penser au ciel, alors je rêve. Quand les vins sont puissants, concentrés, tanniques, boisés, donc trop techniques, ils ne me font pas rêver du tout. Et j'aime rêver dans le vin, j'aime justement partager ces émotions, parce que le rêve, c'est l'émotion. Et les vins techniques ne vous donnent pas d'émotion. Les vins techniques vont vous dire « Ah, c'est bon, c'est tout ». Les vins de rêve, c'est ceux qui vous font rêver. Et moi, j'aime ça. Et donc, c'est un domaine qui est très important pour les vins rouges, mais également pour les vins blancs. Parce que dans les vins blancs, vous avez des vins, quelquefois, au nez, sur un grand Gewürztraminer, sur un grand Riesling, sur un grand Chardonnay de Bourgogne. Vous pouvez rester sur le nez pendant 10 minutes et vous n'avez pas envie de prendre ce vin dans la bouche. Parce que le nez vous enchante. Voilà. Et j'aime ces moments-là. Et si on peut partager ces moments-là avec des gens qui... Aujourd'hui, je reçois, pendant cette période de primeur, une centaine de personnes qui vont venir déjeuner tout à l'heure. Eh bien, j'ai ouvert 6 vins blancs différents, de régions complètement différentes. Alors, c'est complètement stupide d'inviter les gens au domaine de Chevalier pour leur offrir d'autres vins. Eh bien, moi, ça fait partie de ma philosophie. Et j'aime les yeux des gens quand ils arrivent là et qu'ils voient un grand Riesling de chez Kinsler ou de chez Zintembrecht ou de chez Mark Annenweiss ou de chez... Et puis après, ils vont passer sur un Bourgogne d'Olivier Leflèvre, voilà. Et puis ils goûteront aussi un domaine de Chevalier pendant ce moment-là, voilà. Et ça montre une ouverture. Je pense que les gens aiment l'ouverture sur le vin. Celui qui pense que le meilleur vin du monde, c'est son vin, il n'a jamais rien compris. Voilà. Et pour moi, j'aime les vins pour leur diversité. Ma cave, il y a des milliers de bouteilles différentes, des dizaines de milliers de bouteilles différentes, parce que j'aime la diversité, j'aime le choix, j'aime la liberté. Et si quelqu'un boit un seul vin toute sa vie, il n'est pas libre, même si c'est le plus grand vin du monde. La liberté, c'est justement celui qui va pouvoir dire eh ben, « Tiens, aujourd'hui, je vais vers ça. Et demain, j'irai peut-être vers un Gros Hermitage, mais peut-être un Côte Rôtie d'ailleurs. Et puis, est-ce que je veux un Côte Rôtie un peu jeune ou un petit peu vieux, avec la cuisine qui est faite, parce qu'on est l'été, parce qu'on est l'hiver, parce qu'on est à déjeuner ou parce qu'on est à dîner, parce que tous les jours sont différents, et donc il faut avoir du choix. Voilà, le vin, c'est ça. Et j'aime cette diversité, et j'aime partager ça. Et peut-être que mes vins me ressemblent, donc mes vins sont généreux, sont des vins de plaisir, mais pas que le plaisir, j'aime aussi des vins très droits, très purs. Parce que là encore, si on fait des vins avec des fruits, il faut respecter ce fruit. Donc, pas de blabla, pas de marketing, pas de crème pour mettre un peu trop sur le visage. Le vin, il doit être presque naturellement très beau. Voilà. Et j'aime les vins comme ça. C'est une philosophie, c'est ma vie. Et j'ai donné les 30 ans de ma vie professionnelle à cette propriété, à ce vin. Mais en même temps, j'ai beaucoup reçu, parce que quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Et c'est une grande chance que j'ai eue ici. Mais l'émotion, c'est le vin aussi. Et le vin, c'est l'émotion. Donc voilà, moi aussi, je suis ému en vous parlant de ça, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais c'est ma vie. C'est ma vie. Bon. Alors après, on doit parler un peu du nom des grands crus.